Bonjour, donc nous voici cette semaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Alors moi ce coup-ci j'ai choisi le tour qui s'appelle Emergency Cash. Encore une fois, on le dira dans toutes nos vidéos, mais c'est vraiment vraiment très très bon. Alors c'est pas une nouveauté, hein, loin de là. D'ailleurs comme je dis à chaque fois, c'est pas des nouveautés qu'on va vous montrer pour le moment, enfin oui, vous montrer parce que c'est des choses qu'on n'a pas eu le temps de travailler, on n'a pas de ressenti énormément sur le tour. Puis qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, alors que ça, c'est des tours qui existent depuis des années. Et qu'on se trimballe dans Voilà, notre qu'on se mallette trimballe depuis depuis des un années. moment. Je vais pas dire qu'on a ça depuis 10 ans non plus dans notre catalogue, mais ça fait déjà quand même quelques années qu'on l'a. Et que je fais, parce que c'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a sur le site donc Créateur. du créateur qui fait ça. D'ailleurs, il le fait extrêmement bien et ça passe super bien. Mais donc, pour donner un ordre d'idée, alors pourquoi je vous montre ce tour-là et pourquoi j'aime ce tour-là? Parce que vous avez besoin que de ça, tout simplement. C'est-à-dire que ça va être le même effet qu'une boîte de Rénélis, par exemple, la boîte à la pièce, ou alors qu'une Luxbox, qu'un truc de ce genre-là, c'est-à-dire on emprunte un objet, donc là en l'occurrence pour ce tour-là, ça sera qu'un billet de banque. On va y mettre un trombone pour bien fermer le billet de banque. Le billet de banque va disparaître dans la main, donc vraiment sous les yeux des spectateurs, donc pas besoin d'aller faire un faux dépôt, de mettre ça sous un foulard pour ensuite aller récupérer la boîte et montrer que le billet est dedans. Donc c'est-à-dire vous allez vraiment mettre ça ici, fermer la main. Passer l'enveloppe dessus en faisant des petits chichis, le billet va disparaître et là, comme par magie, le billet va se retrouver dans une enveloppe qui lui-même contient une autre enveloppe. Et à chaque fois, on peut les montrer devant, derrière, les symboles. Exactement. On va enlever l'enveloppe, on va montrer, donc on peut même les donner à examiner. Encore une fois dans une enveloppe, puis encore une fois dans une enveloppe, et tout ça à la fin dans une petite enveloppe. On ouvre la petite enveloppe et le billet sort. De l'intérieur Et donc sans c'est empalmage. et sans empalmage donc c'est vraiment 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 très très bon. Le reset il est quasi instantané, donc là maintenant que j'ai tout sorti je vais vous montrer le reset. Voilà, sans bien sûr essayer de vous, sans vous dévoiler l'astuce. Voilà, donc pendant que je parle, donc là je l'ai fait réellement sous les yeux, ça y est, mon enveloppe est reprête pour pouvoir faire encore l'effet. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment très très bon, parce que déjà ça prend pas de place. Il n'y a pas de change de billet à la fin, c'est vraiment le billet signé Oui, qui est dans le billet qui l'enveloppe. apparaît à la fin signé dans la petite enveloppe est vraiment le billet du spectateur signé. Il n'y a pas besoin de change, il n'y a pas besoin de savoir faire de faux dépôts. Alors après on peut l'amener de différentes façons. Moi je sais que comme il fait dans la vidéo c'est vraiment très bien parce que c'est rapide, mais on peut l'amener comme une mystery box aussi, ça s'est mis de côté. Hop. On peut faire vraiment comme les tours de base qu'on a l'habitude de faire en mettant le billet sous le foulard et puis en allant chercher notre enveloppe. C'est tellement plus joli à Mais vue. voilà, mais c'est tellement. Et c'est pour ça que je dis que c'est très fort, parce que contrairement à d'autres effets où en gros les boîtes souvent sont. D'ailleurs, sont pas souvent, elles sont cachées. On fait quelque chose et puis hop, d'un coup on arrive avec ça et puis c'est dedans. Là, eh ben, c'est pas le cas, c'est depuis le départ posé sur la table. On va faire notre disparition de notre billet de banque et ça va se retrouver à l'intérieur. Donc voilà, voilà pourquoi c'est bon. Donc premièrement, parce qu'il n'y a pas tout cette mécanique-là. Deuxièmement, c'est très fin, donc ça prend vraiment pas de place. Troisièmement, on fait ça aussi avec un objet d'un spectateur, donc là en l'occurrence un billet de banque. Le reset, il est instantané. Et en plus, c'est du matériel que si vous cassez, quand je dis vous cassez, si vous déchirez, parce que ça reste que tout simplement que des enveloppes, hein, eh ben, je veux dire, c'est quand même facilement refabricable, parce que c'est du papier, il suffit de vous recouper ça dans du papier Canson et vous pouvez remonter le système jusqu'au bout, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour ça. Voilà. Et l'effet est tellement puissant et tellement propre que ça marche super bien. En plus, dans la vidéo. Moi, d'explication, je donne une façon de faire pour aller encore plus vite. Je sais que dans la vidéo, comment on appelle ça, le billet de banque se retrouve dans la dernière petite enveloppe. Ça, c'est quelque chose à travailler, mais c'est pas bien méchant. Mais pour que ça aille encore plus vite, moi, j'enlève la dernière petite enveloppe
et je montre comment aller plus vite et le sortir vraiment de la dernière petite enveloppe. Là, je peux pas, c'est pour ça que je vous le fais pas, je l'aurais bien fait, mais je peux pas vous le faire parce qu'il faut modifier les enveloppes. Il faut du moins en casser une, entre guillemets. Donc là, bon, je le fais pas puisque c'est un produit qui est neuf, qui est destiné à la vente, donc je le fais pas, mais j'explique comment le faire dedans. Donc voilà. Donc, encore une fois, faites-moi confiance sur ce produit-là. Ça s'appelle Emergency Cash. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Comme le titre, il est bizarre, la photo est pas belle, les gens, ils passent à côté. Ben ouais, c'est vrai que quand on voit ça, ça quand on voit ça sur le site, ça donne pas envie. Et c'est vrai qu'au magasin, à chaque fois que tu le présentes, c'est... C'est une vente. C'est une vente. Voilà, à chaque fois que je le fais, c'est une vente. Ça veut dire que l'effet, ils ont bien aimé et ils se jettent dessus. Mais c'est comme un film, hein, si l'affiche elle est pas bonne, on va pas le voir. Et souvent, malheureusement, on passe à côté. Mais là, la vidéo parle d'elle-même. Regardez la vidéo, en plus c'est une vidéo qui est très courte, là, contrairement à ce qu'on fait nous, où à chaque fois on fait des vidéos longues. Regardez la vidéo, elle parle d'elle-même. Hein. La vidéo, je vous garantis qu'il n'y a pas de coupure dans la vidéo. Hein. Ça peut être bluffant quand on le voit, on se dit « Oh, c'est pas possible, il y a quelque chose qui a coupé ». Je vous garantis que c'est réel. Donc voilà, donc là j'en dis encore que du bien de ce produit, c'est exceptionnel, c'est simple, l'impact il est fort et en plus le tour je crois qu'il est pas cher parce que je me rappelle pas 19 ou un truc comme ça ou 20 euros je crois, donc ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, faites-moi encore confiance sur ce produit là, c'est un produit que j'aime bien, donc je répète le nom, ça s'appelle Emergency Cash, allez voir ça, c'est que du bonheur. Voilà, et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un autre tour qu'on va vous dénicher. À bientôt.